Maman petite Marie Vente. Haïtien frèm sèm kap tande nou, kap gade nou la. Nous t'entendons parler de sanctions que les États-Unis d'Amérique te prend contre 16 moun ki nan politique, moun ki nan secteur privé des affaires, moun ki nan société civile qui nous pas jamais te capable penser. 16 moun sa yo nous t'entendons que yo sanctionné yo, yo coupé visa yo. Mais ça pas jamais ko rien. C'est kounya moun sa yo nan problème. Après position la Russie avec la Chine en dedans Conseil de sécurité des Nations Unies, hein? Maman petite Marie Vente, ti pa chante petit garçon. Pas oublier jeudi à nous 18 octobre 2022. Hier qui était 17 octobre 2022, justement peuple haïtien Conseil de sécurité des Nations Unies t'est réuni justement pour te parler sur dossier pays d'Haïti. Maman petite, Marie votre pirette. C'est son route qu'elle y est, oui, il fait nous sentir que la situation pays d'Haïti est tellement grave, tellement pas gay, ça a eu l'autorité politique ou du moins, moun qui soit dit tête leader. Tu vas pas mettre tête ensemble pour prendre décision pour pays justement ka Haïti grave. Son route qu'elle y est. Et je dis à nous trouvons, nous devons faire accompli. Nous même comme des jeunes, comme haïtiens conséquents qui remet pays nous pour nous faire tout ça que nous connaissons pour nous débarrasser pays de colonnes gang ça qui les tête politiciens dans le pays d'Haïti qui c'est des traites nationales, qui c'est des ravettes qui pas jamais qu'à prendre décision pour pays d'Haïti parce qu'il y a toujours une différence sur ça. En dedans émission ça, dans l'heure ça, dans moment ça va garder nous là. Nous prenons le fort tendé. Alors, déclaration, représentant la Russie, et puis représentant la Chine. Et puis, dame ça qui représentait la France. Et c'est là, moi dis honnêtement, il y a un peu de problème. Qui ça qui fait un problème? Parce que, définitivement, moi, ouais, que, on capable de sauver. On va dire sauver et de blanc. Non, moi, je ne alors, je suspends critiquer blanc. Qui ça fait ma suspend critique blanc parce que mon responsabilité tête moi dans quatre batailles ça que dans ça Haïti est là moi tête mon responsabilité pour que nous goumen n'a fond bataille et de fait nous connait avec qui est-ce que n'a bataille mais pour nous faire le bien conseil des monde qui pour pas là pour organiser ou pour connait exactement si blanc cap dit ses amours là ses amours pour tout bon il y a des monde qui honnête pour mettre en place dans pays là faut qu'on retire des monde tant que Jean-Victor Généus quand sous tribune Nations Unies qui font déclaration, ça peut qu'on même 22 jours, comme si l'évidemment de propre tête encore. Et mais là, je pas bon menti, je vais te la marrer 14 juillet, Reginald Boulos, Dimitri Vopit Garçon, c'est pas moi qui te voyais nous dans le mouvement gang, c'est pas moi qui te voyais nous dans alimenter gang tout partout dans le pays. Dans la politique, c'est pas moi qui te mettais nous dans le mouvement gang, c'est pas moi qui te mettais nous dans alimenter gang dans le pays. Et moun, femme avec garçon qui dans la société civile, moun sa yo qui a soupe des préfets dans la société, et bien effectivement, pas en bas, y a plongé Zambay bandit, pas en bas dans gang, et bien de fait, les États-Unis d'Amérique coupé visa yo. Et maman petite m'a revente parce que la décision qu'elle prend là, elle n'est pas petit. Ou pas une idée, dans quelle émission ça prend responsabilité. Toujours dans ce qui est pour avec le dossier Cap 2000 actualité dans la Coupe d'Haïti, hier qui était 17 octobre 2022, pardon, effectivement, il y a une pile mobilisation dans la Coupe d'Haïti. Mais ça m'a regardé pour quantité de monde dans la rue. Si vous avez essayé de faire, vous avez débarqué la carrière Henry, vous avez pris Ariel Henry, et vous avez pris toute l'équipe qui est au pouvoir là, et puis automatiquement solution. Oui. Effectivement, communauté internationale là, et juge que Ariel Henry pas une capacité pour que lui résoudre le problème ça qui dans pays d'Haïti. La Chine avec la Russie qui est même position. Ils ont questionné légitimité gouvernement assassin, gouvernement Ariel Henry.
Jodi a fòk jeune haïtien, jeune garçon, jeune femme, justement suspend kouri kite pays ou parce que politique là pas avancé sur trop, trop violence politique. Jodi a fòk ou konnen ke moun ka fè violence yo, c'est haïtien ki yo, pas okipo. Yo, attendez, yo pa tal nan université, nan faculté pou peut al apprendre et pou tal étudier violence là pendant 3 4 ans non. Son bon matin yo rete, yo senti que ou même comme des jeunes garçons qui pou konn volo, qui pa konn ki sal, yo senti si yo kito comme des moun ki honnête. Justement, yo senti gen pile jeune garçon kap vini ki reme peyi yo, ki anvi viv nan peyi yo, et ben de fait nèg yo utilize violence pou yo fò kouri de peyi en tant que citoyen. Et ben jodi a se nèg sa yo pral paye pou kase ya oui, maman petite ma revente, décision ki pral pran la yo pa petit du tout et sa kap pale la yo, yo pa douce pou assassin yo du tout. Boakale. Effectivement, Conseil de sécurité des Nations Unies réuni hier sous dossier pays d'Haïti a en pile parole parler et nous en position chaque pays, chaque représentant pays dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et définitivement, vous voyez que nous avons fait ressentir que c'est grave, et effectivement, c'est grave. Mais définitivement, ça qui est important pour que nous connaissions, bataille ça qui est là, li important parce que faut que tu arrives là parce que gon groupe moun kap touye moun nan peyi a gon groupe moun kap kidnapper moun nan peyi a mais faut que tu arrives au niveau faut que tu casser dans yo et effectivement visa coupé yo pral gèler à 40 yo pral saisir bien et pral voyer famille yo nan la coupe d'Haïti petit André Michel vin jeune Michel non dans peyi ou petit garçon. Petite Nenel Kassi, madame Nenel Kassi, mais justement, vin jwenn papa ou dans le pays d'Haïti. Pendant que blanc, les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France, l'Espagne, ou du moins le Conseil de sécurité des Nations Unies, réunis papa haïtien, ils prennent des décisions drastiques pour que ils contrecarrent le groupe criminel ça, qui a alimenté gang, qui a financé gang dans le pays. Ou même en tant que haïtien, après sanction ça yo, soit vous quittez monsieur dans le pays, ou même vous prenez sanctionner monsieur yo, et ceci, c'est physiquement. Nous prenons sanctionner yo physiquement. Il faut que nous prenions responsabilité nous, stratégie, ou du moins sanction que Papa Dessaline te pose dans le pays, action que le dépose, que la solution, nous mettons en exercice. Prends responsabilité nous, honnêtement, devant le pays, devant le monde entier. Blanc pral sanctionner, et sanction pas yo, yo normal, parce que normalement, yo pral frise à compte, monsieur a saisi l'argent yo. Il a saisi bien monsieur qui dans pays yo. Il a voyé petit yo madame yo back dans pays d'Haïti et pour même ou a prendre ça yo physiquement dans pays ya. Nèg yo enragé, papier hygiénique pas carré dans la cour dans ca nèg yo. Nèg yo dans climatiseur, il a bien glacé et puis nèg a freeze. Ça qui passé, yo choc ouvert lampe yo pas jamais te penser, yo jour dans la vie yo. T'as jamais goûté décision comme ça que t'as pris contre toi-même comme des criminels notoires. Équipe n'est pas à l'aise même pour une seconde. Depuis c'est négro qu'on est qui dans le gouvernement avec Ariel Henry, pas à l'aise. Depuis c'est rêve tout qu'on est qui dans le secteur privé des affaires, ils sont pas à l'aise. Boubou, Kiki, nous tout la caille, baron. Baron a tout résolu le problème ensemble avec nous. Reginald Boulos, Dimitri Vobou, tout aux États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique, bah non, bougade là. Effectivement, il faut que tu aies un jour pour la vérité établie. Il faut que tu aies un jour pour qu'il y ait des gens qui assument les responsabilités. Effectivement, pour que tu batailles contre M. Sayo. Effectivement, un jour, il faut que tu aies gagné la communauté internationale. Parce que nous sommes un pays. Nous ne parlons pas de savon pour contre nous. Justement, il y a un pays qui ne peut pas accepter n'importe quoi de bagaille fait dans ce pays-là. Et vous voyez que, crie peuple haïtien à travers les réseaux sociaux. Ça cause map toujours. Voyez gros bout de tonton salutation pour amis nous, alliés nous, sœurs nous, cavalier Paul K nous, qui c'est Foucault Tech 609. Parce que nous croyons que avec Foucault, travail arrive qu'on est pour arriver. Je salue courage, amis nous, Busta John Frem, Madame Sarah salue ou pour courage nous, pour détermination nous dans cette bataille. Je salue Jimmy Mouna Fabo TV. Est-ce que vous comprenez? Cap goumé en pile avec tout petit monsieur dans la Coupe d'Haïti. Je salue Hébert Tonchon. Je salue Denise pour courage.
C'est qu'on peuple a parlé Haïti pour courage yo, gabi faut pas, est-ce qu'on comprend ça monsieur là? Est-ce grâce fils mes Yannick, m'a salué nous. M'a dit nous plus détermination, plus conviction et ben justement me garantit nous n'a débouché exactement sur solution que n'a cherché. Nous prenons tête d'emblée dans le dossier qui a dominé l'actualité. Pas oublier, le dossier qui a dominé l'actualité, c'est de ces sanctions que, effectivement, le Conseil de sécurité des Nations Unies prend contre les oligarques corrompus et des hommes et des femmes qui sont dans la politique et les gens qui sont dans la société civile dans la Coupe d'Haïti. Ils financent gang, qui sont des gangs, c'est des kidnappeurs à costume. Peuple haïtien, 18 octobre 2022, m'a dit nous bonjour et bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'heure, ou attendez nous et ou regardez nous. Encore une fois, gens que nous connaissons, c'est toujours un plaisir pour moi pour que je m'en avec nous. Ça vous me fait du bien. À chaque fois que je me connais, je viens partager un moment ensemble avec nous et que je me connais, nous allons réagir exactement à travers les commentaires. Alors, c'est là que nous allons dire tout ça que nous pensons. Eh bien oui, tout ça que nous comprenons de ça qui dit dans l'émission Panouan qui passe sur la plateforme Panouan, qui c'est la plateforme YouTube, Info Beto. Info Beto. Beto à l'appareil. Peuple haïtien, son plaisir pour moi pour ensemble avec nous. Et effectivement, hier, Conseil de sécurité des Nations Unies réuni hier sous dossier. C'est grave, monsieur. On a qui pidjia là. Haïti. C'est pas qui grave. Nous l'aide, nous sale, nous domine, nous dérange, nous occupe l'esprit, nous tellement qu'on groupe gang, qu'on groupe terroriste qui puisse en appeler d'Haïti. Nous pouvons jouer nos solutions. Voilà, peuple haïtien. Écoutez bien. Ça qui va le passer là, faut que chaque grain haïtien dit que définitivement, nous avons besoin de solutions ensemble avec le problème ça, problème gang dans le pays. Mais nous avons goumé pour nous pas jamais tourner dans la situation ça dans le pays encore. Yon groupe moun qui a quoi avec richesse. Parce que yon son groupe pas espéré. Yo sorti dans pays yo do tourni pied à terre vite comme bouteille. Yo vinn tomber dans sur un peuple, sur un groupe moun ki le tête politicien, sur équipe ti vicieux. Est-ce que vous comprenez Julien? Yo faciliter un groupe moun pour gagner tout contrôle économie pays ya et pouvoir politique là n'gue porter le bail nèg ça encore. C'est sorti qui bail et ben c'est le qui pas prend. Et ben normalement monsieur yo organisé yo, yo domine pays ya. Yo senti nou gen des moun ki nan classe moyenne nan, k'ap fè efò, k'ap avanse. Et ben nèg sa utilize même nèg ki nan politique yo, yo fè krasé même classe moyenne pa nou encore. Pa gen classe moyenne nan pays d'Haïti encore. Je dis c'est masque la, fatra à terre, la boue nou rete. Nèg yo krasé ni classe moyenne nan et puis yo voye landan yo. Tout richesse pays ya concentré nan mon seul groupe moun, 5% moun. Qui va gagner pour eux avec Haïtien. Parce que pièce attachement avec le pays d'Haïti. Et nous, ils vivent bien. Ils pi à l'aise de yo. Nous, ça. Ils a quoi avec richesse parce que Haïti, ils bâti capital yo. Sous deux nous comme peuple. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Dam sa yo, ils ont pratique système nan te monté comme ça. Et c'est seul moyen pour système nan te capable de puissance à que le gagner en de nos pays. Ya. Système nan monté. Sous base violence. Le jour où il y a un monde qui a courage pour garder un élément dans le système dans les yeux et pour questionner le système, il y a un tuyau. Il y a un tuyau. Le système tout contrôle la justice. Parce que la justice fait partie du système. Si on a parlé de craser le système judiciaire, ça a obligé de craser automatiquement. Et nous, well, avec un mandat d'amener contre le président de la République en fonction, la vie prouve nous que, comme si système nan, c'est toute une machine qui est composée par tout élément que nous avons gardé là, que nous avons cité pour vous là. Et bien, normalement, papa ici, système nan monte comme ça. Nous avons gagné la justice dans la main. Parce que la justice dans le pays, pas fait travail, ça veut dire que vagabondage là, li a peine. Pour tout le monde venir rentrer là-dedans dans le pays, fait ça ouvre les bambilés. Un pays qui ouvert pour vagabondage dévorer. Et puis la justice passe au pied. Et puis la justice pas fait travailler. Et c'est normal.
C'est raison normal pour le système nan, te gen puissance que le gagne. Et mais normalement, nan yon frappe, yon gen contrôle tout pouvoir politique là définitivement. Yon vin renforcer tête yon parce que pour gérer l'économie, yon faut qu'on gen pouvoir politique. Parce que c'est volo ap volo. Yon organise yon, yon intensifie mouvement gang nan. Et patron système nan, baron système yon, yon décide pour yon faire l'argent par n'importe qui moyen. Yo un pays a pas arrêté comme ça. Un pays pas arrêté posé pour n'a faire comme pour peuple arrêter dans calme li. Non. Faut que nous fait être peuple chaud pour pas j'aime gros capacité pour réfléchir même pour une seconde. N'a décidé pour rentrer zam dans pays a. Pendant que nous tendez Haïti soi-disant, il y a bagou zam solé. N'a gué rentrer zam. 20 zam tout partout dans pays a. 20 zam tout partout. Yo rassuré OK. L'Ouest pays d'Haïti yon occupé avec ZAM net. N'a qui nan politique yon? Yon fin ouè justement. Yon pas jamais fait un extérieur pour peuple là. Mais chaque élection, faut que yon volume ZAM pour que yon distribue. N'a privé sous sanction que les États-Unis d'Amérique prennent contre politiciens, oligarques et puis moun qui nan société civile. Nous ne pouvons pas les pays. Parce que c'est une grosse cause de nous parler là. Après de la colère, papa. T'as dit, ils font poser. Et pas, nous tapons tout. Mais je dis, nous devons faire accompli. Ben gang. Normalement, monsieur rassure que politicien baisent tout partout. Chaque grain politicien, depuis que les gars ont envie à l'élection, il faut que les gars propres groupes gang parlent. Et chaque nègre, ça y est. Il y a un petit groupe qui parle dans le secteur privé qui a financé, qui a payé l'argent, qui a payé aux âmes, pour pourrir à terre pour vous. Et ça cause toujours dans la politique là, pas jamais qu'il y ait de nouvelles têtes. Pas jamais qu'on ait des jeunes qui émergent politiquement. Parce que de pour vivre dans Basel Negyo, c'est sous Baltanio pour que vous ayez. Sous choisi, construit leadership, il y a un tuyau. C'est comme ça le système a monté. Pratique ça l'a fait. Depuis 36 ans dans le pays. Et mais il arrive dans Boutli avec assassinat du président de la République qui était élu, qui était vraiment élu démocratiquement, pardon. Président Jovenel Moïse. Et c'est là tout le monde a parlé. Tout ça qu'on va moumou système non. Parce que pour te voir ça qu'on va moumou système non. Faut gon moun qui pour attaquer le système nan juste nan racine ni à travers intérêt yo. Parce que yo konnen que yo pa met ton dollar de yo pour faire capital que y a faire. Yo konnen que yo pa travaille pour bénéficier capital que y a bénéficié. Yo konnen que yo pa travaille pour bénéficier privilège que y a bénéficié. Et yo konnen tout le pas logique pour bénéficier volume privilège ça. Et vous pouvez majorité dans la crasse liée là. Là, Jovenel Moïse t'a fait un gros travail. Et c'est dossier ça, effectivement, qui touille le président Jovenel Moïse. Nous ne pouvons pas oublier. Allez, justice, justice, justice pour tout ça, effectivement, Jovenel Moïse décide pour qu'il attaque le système nan, dans toute racine ni, dans toute nanan ni, dans toute chèvrine ni. Et mais c'est ça qui pral ban nous, ça que nous vivons là pour le moment. Et ça qui pral ban nous, ça que nous vivons là pour le moment. Et sa cause, honnêtement, m'a dit nous ça, pour que me suspende déchiré, pour l'esprit me suspende tourmenté, mais vu que
Conseil de sécurité des Nations Unies, ou du moins cette résolution ça qui a été votée, qui c'est résolution 2645, pour que je me sente, au travail sérieux qu'a fait, faut que moi, que à partir de semaine qu'a vienne là, moi, tendez dans un journal, gros journal américain, par exemple, yo frise à 40, Nectar Kouboulos, Dimitri Vob, Mountakou Mateli, yo frise à 40 moun sa yo. Et puis nous ouais. Yo prend moun sa yo. Yo saisi tout bien que yo possède l'autre bon. Et puis nous garde nous ouais, yo pimpe yo nan aéroport international tout Saint l'ouverture là ou jou mons mai gâté. Là m'a pris allons souffle. Parce que chaque grand haïtien au courant que dans 5 dernières années ça yo Reginald Boulos Dimitri Vob c'est qui fait plus investissement dans chaos dans le pays d'Haïti. Tout haïtien connaît noir sur blanc que Reginald Boulos et Dimitri Vob investit plus l'argent pour touiller président nation, président pays, qui se Jovenel Moïse. Tout a été au courant que Dimitri Vob, Reginald Boulos, c'est là qui est plus gang dans le pays, contrôle tout gang de dans le pays. Et mais pour toute raison, ça, nous-mêmes, nous besoin, effectivement, pour Conseil de sécurité des Nations Unies, mettre résolution 2645 là en application dans toute intégralité. Parce que nous croyons que, avec autant de facilité, premier groupe qui est dans le secteur privé des affaires, qui a résolution ça, a épinglé et sanctionné, a frappé très très fort, c'est la famille Boulos et la famille Vob dans la Coupe d'Haïti. Papa, ils ont frappé. Et ça cause, moi, que pays a grand pile espoir. Nous gagnons pile, ou du moins, nous capables de prendre source réellement. C'est là que moi, la Russie, avec la Chine, campé red, red, pour que le Conseil de sécurité des Nations Unies mette résolution 2645 là en application dans toute intégralité. Ça veut dire que sanctionner, moun ka financer gang, sanctionner, ne qui dans politique capable alimenter gang sanctionner des hommes et des femmes qui dans société civile que moun pas jamais capable penser qui t'a dans gang dans pays ya sanctionner moun sa yo frise à 40 yo saisi bien yo coupe visa yo voye toute famille dans la Coupe d'Haïti me dit bravo. Position représentante pays la France là. Yo madame, li pas vraiment différent par rapport ensemble avec position la Russie avec la Chine quelque part. Parce que la France exigeait pour que Conseil de sécurité des Nations Unies sanctionne moun ka financer gang nan. Sanctionner tout n'est qu'à alimenter gang nan, tout n'est qu'à protéger gang nan dans le pays. On dit bravo.
les États-Unis d'Amérique positionnent toujours clair. Il pas jamais écarté possibilité pour que débarquement militaire a fait dans la Coupe d'Haïti dans jour gagne pour venir là yo. Possibilité a pas jamais écarté et me sentir que yo gagne plus volonté que pour ta pour que yo fait débarquement que pour ta que pour ta alors ta va faire back. De ce pays d'Haïti a li pour l'autre étape devant Conseil de sécurité des Nations Unies. Effectivement, hier 17 octobre, ils ont réuni, ils ont parlé en pile sur le dossier, mais 21 cap vin la, décision finale la prend. Définitivement, on connaît 1, 2, 3, 4, noir sur blanc, si que débarquement militaire fait dans la Coupe d'Haïti. En pile monde te pensé que Conseil de sécurité des Nations Unies était réuni hier, t'a gain vote qui t'a fait sous décision qui a cap prend pour débarquement militaire a fait dans la Coupe d'Haïti, et ben justement on pas arrivé réaliser séance vote ça. Et ça cause 21 cap vin là, n'ego conteneur mettre continuer acheter papier hygiénique parce que nous mêmes qui c'est des oligarques corrompus, après 36 ans n'a sous 600 peuple là, n'a boire sans peuple là, n'a fusé, n'a violé yo, et ben justement faut que ta faut qu'Abraham ta va 17 assis. N'attend effectivement pour la République dominicaine répondre même gens que ambassade d'Espagne répondre dans la Coupe d'Haïti. Justement nous avons information que vous pas prendre décision mais n'attend yo parce que nous connaît que majorité oligarque corrompu yo criminel yo assassin yo vinn établi yo en République dominicaine. Pendant 4 à 5 dernières années Oliga Compio, pas de l'autre côté que vous venez de l'argent, c'est exactement en République Dominicaine. Et je pense que pressé, il faut que la résolution 2645 là, va rentrer en application parce que décembre qui vient là, peuple haïtien t'a remis passer décembre dans le pays. Ici nous prenons le temps de effectivement intervention pays la Russie et la alors la France et l'autre pays qui t'a participé dans le Conseil de sécurité des Nations Unies hier dans réunion ça t'a fait au niveau Conseil de sécurité des Nations Unies et nous prenons le temps de ensemble avec moi pendant quelques minutes et nous même dans info bête on a venir avec des commentaires et analyse sur ça qui dit effectivement m'a demandé nous patience nous justement pour nous tendre déclaration ensemble avec moi ça que nous manquer comprendre m'a permettre nous comprendre n'a répéter et ça qui dit ensemble avec nous mais en nous tendre et déclaration yo chaque intervenant yo dans conseil alors qui t'a participé dans conseil sécurité Nations Unies ça dans réunion ça n'a pas tendre ensemble avec moi dans cadre émission ça avec un pile patience m'a demandé mais pendant que on partager émission hein sous tout groupe WhatsApp, ou partagez-le avec des trois amis que vous gagnez qui n'ont contact WhatsApp ou bien évidemment, ou partagez-le tout sous groupe Facebook yo, li extrêmement important pour que vous partagez la vérité avec des compatriotes haïtiens qui soifent la vérité. Intéressant. En entendant effectivement ça avec moi, alors représentant pays la Russie qui tape parler sous dossier de pays d'Haïti. En avance. Intéressant. Sali, mettez-vous à l'écoute, prêtez attention nous pendant quelques minutes. Et puis justement, il faut mettre au pral, commenter et analyser ensemble avec nous. En avance. C'est possible. Merci, Monsieur le Président. Nous remercions Madame Lalim pour son exposé. Nous saluons la participation à cette séance des ministres des Affaires étrangères d'Haïti et de la République dominicaine. Malheureusement, 3 semaines depuis la dernière séance du Conseil sur Haïti, la situation dans le pays s'est encore aggravée. Le terminal pétrolier et de nombreux autres
De nombreuses autres infrastructures dans le port de Port-au-Prince ne sont pas contrôlées par les autorités. Cela a aggravé la crise politique, socio-économique et humanitaire qu'Haïti connaissait déjà. Tant que nous sachions, les groupes criminels bloquent les sorties de la capitale, ce qui limite les déplacements des personnes et les empêche de recevoir des biens et des services de base. Il y a dans le pays un déficit, une pénurie quasi totale, des médicaments jusqu'aux denrées alimentaires et à l'eau. Là aussi. Dans les rues de Port-au-Prince et d'autres villes, la violence et l'anarchie règnent. La paralysie observée récemment du système institutionnel de direction de l'État réduit à Nantes tous les efforts visant à améliorer la situation dans d'autres domaines. En plus de tous les maux dont souffre le peuple haïtien, s'est encore ajoutée l'épidémie de choléra. Bien entendu, tous ces problèmes sont liés entre eux et il n'y a pas de solution simple. Leur cause est la stagnation du processus politique. À cet égard, nous ne voyons pas d'autre solution que le processus de rétablissement de l'ordre constitutionnel en Haïti grâce au dialogue avec la participation de larges cercles de la société haïtienne. L'organisation des élections et des réformes indispensables, comme le dit le rapport. Effectivement, il parlait de retour à l'ordre constitutionnel. Ça veut dire qu'aller dans l'élection, mais pendant l'élection, effectivement, il faut que nous gagnions sécurité. Et pour nous gagner sécurité, nous pas cap gagner avec Ariel Henry. Parce que Ariel Henry symbolisait l'insécurité, exactement. Ariel Henry charrie derrière tout un groupe monde, une coalition d'assassins. Effectivement, c'est avec violence pour être capable de gérer tête. Et c'est le seul moyen pour une force qui pouvait nous protéger, c'est débarquement militaire. C'est ça qu'ils ont besoin pour le moment. Mais représentant la Russie a continué à intervenir et justement sous sa cap domine actualité dans le pays d'Haïti. Alors, sous phénomène de sécurité dans la Coupe d'Haïti, pour regarder comment on est capable de jouer nos solutions avec Krisa, Kafina, avec société. Mais honnêtement, il est clair que acteurs politiques, ça veut dire que ça ravette politiciens, les gens ne savent pas mettre tête ensemble pour jouer nos solutions de sortie de crise pour permettre que Haïti sorte dans sa cul de là. Parce que monsieur, pas mettre tête ensemble, il te mettre tête ensemble pour un grand bagaille pour t'assassiner le président. Parce que le président a dérangé tout le système dans net, tout fait partie du système, tout a défendu ses miettes par eux. Jovenel Moïse te met tête li même en place pour te attaquer système nan et li assassiner li même pour contre li et madame ni victime. Ça veut dire que nous capable comprendre que système nan son système qui corrompu criminel assassin et qui pas le monde attaquer. On continue tande représentant pays la Russie. Intéressant. Secrétaire général, la condition indispensable pour l'amélioration de la sécurité dans le pays, c'est justement le règlement de la crise politique. Nous avons pris bonne note du rapport du gouvernement haïtien concernant la situation du dialogue national. Nous notons le rôle positif du BINU dans ce dialogue. Nous comprenons que les problèmes liés au processus de négociation sont largement liés à l'aggravation de la situation concernant la sécurité et l'anarchie. Néanmoins, nous appelons toutes les parties à oublier leurs différends conjoncturels et à poursuivre les négociations. Pardon ? Alors, autant de ça qui est important là ? C'est blanc qui a dit nous que nous-mêmes comme des haïtiens, comme des politiciens, comme des leaders, soi-disant, pour nous oublier toute différence, oublier, mettre de côté tout intérêt personnel, pour nous penser avec grain ça que nous gagnons, soi-disant la bataille pour lui, nous tous disons la bataille pour lui, nous voulons changer. Pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous donner une solution définitive. Ça veut dire que nous demandons chaque grain leader politique un dépassement de soi. C'est ça. N'y a pas de chambre qu'a fait dans le pays d'Haïti. Depuis 36 ans, parce que l'intérêt ou pas même. C'est l'intérêt personnel qui prime. Parce que chaque nèg, chaque groupe nèg, petit yon famille à l'étranger. Chaque groupe nèg a gardé qui côté, gagne plus l'argent. Moi, parce que l'année, il faut que famille vive bien. Il faut me faire changer caille, il faut me faire changer belle machine. Il faut que petit moi rentre dans la université. Il faut que moi vive plus bien pendant l'année. Chaque nèg a bataille pour plus gros parti dans le pouvoir, plus gros parti dans le gâteau, pour aller voler, ça qui, comme si, ça qui intéresse yo. Et yon gen groupe patron ou de yon, effectivement, si ça perdit douane nan, ane sa, sa bataille là, pour tout yon moun nan la rue, krasé brise boule pays, pour t'avoir monté gouvernement pal, pour t'avoir gen douane nan, nan ane gen pou vini. Nèg sa yo, résolution 2645. Peuple haïtien, an nou continue toujours tande, représentant pays la Russie. Comme le note à juste titre le document des autorités, la crise humanitaire dans le pays doit servir d'impulsion pour que tous les acteurs comprennent qu'ils doivent mettre au premier plan les intérêts de la société. Chers collègues, ce qui
qui a également des conséquences sur la situation dans le pays, c'est qu'il n'y a toujours pas eu d'enquête approfondie sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Effectivement, la Russie prononce sous dossier assassinat du président Jovenel Moïse. Les jours après plus que y ont l'année, pour que j'aime une enquête approfondie sous assassinat crapuleux du président de la République, son excellence Jovenel Moïse. C'est la Russie, oui, qui évoque ça dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, oui. Mais par contre, PM Claude Joseph, tu m'as dit un tribunal spécial, oui, auprès des Nations Unies. Ariel Henry t'a demandé pour te stopper sur ça. Depuis le ça, Pepa Issa t'a supposé comme si marché pour Ariel Henry à manchette li. Honnêtement. Il y a des criminels qui ne sont pas sous le monde. Et bien content, c'est la Russie, effectivement, qui soulevait ça devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. On dit bravo avec le pays la Russie. Ah oui, faut que nous battons bravo pour payer la Russie. Nous retendons ça encore. La condition indispensable pour l'amélioration de la sécurité dans le pays, c'est justement le règlement de la crise politique. Nous avons pris bonne note du rapport du gouvernement haïtien concernant la situation du dialogue national. Nous notons le rôle positif du BINU dans ce dialogue. Nous comprenons que les problèmes liés au processus de négociation sont largement liés à l'aggravation de la situation concernant la sécurité et l'anarchie. Néanmoins, nous appelons toutes les parties à oublier leurs différends conjoncturels et à poursuivre les négociations. Comme le note à juste titre le document des autorités, la crise humanitaire dans le pays doit servir d'impulsion pour que tous les acteurs comprennent qu'ils doivent mettre au premier plan les intérêts de la société. Chers collègues, qui a également des conséquences sur la situation dans le pays, c'est qu'il n'y a toujours pas eu d'enquête approfondie sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Plus d'un an après cette tragédie qui a provoqué la crise actuelle, il n'y a aucune version inspirant la confiance expliquant ce qui s'est passé, y compris l'implication de puissances étrangères. Dans ce contexte, nous soulignons... Voilà, y compris l'implication des puissances étrangères. Ça, c'est évidemment, ça c'est là aussi qu'a parlé. Un dossier qui est prouvé avec assassinat président pays, qui est président Jovenel Moïse. Bravo encore pour pays là aussi. Parce que je dis, il faut que nous clair. Mais par contre, gouvernement assassin, hein, qui est un petit grand monde audacieux, sans caractère, qui va respecter tête du tout, et là pour elle, comme si c'est un assassin qui t'a fait Zak Malonet depuis au petit. Depuis dans petit monde, c'est un petit monde qui t'a foué doit dans manger l'autre. Petit vicieux, veille maman pour voler 5 goud. Alors de près sous caractère, Jean-Victor Généus, ou est un petit pas sérieux. Un petit grand monde pas honnête, non, là joué là. Pour sans vergogne comme ça. Mais la Russie a démentibilé nous. Mais la Russie a mis tout au nid. Effectivement, communauté internationale. Là. Parce que l'assassinat de Moïse n'est pas fait avec Haïti seulement. L'assassinat de Moïse planifié aux États-Unis d'Amérique. Ils ont recruté des mercenaires colombiens pour aller tout le président. John Joel Joseph sorti à Haïti. Il est rentré en Floride. Pasteur Emmanuel Christian Sanon. En Floride, pour Chita pour décider ce qui est stratégique que nous avons développé pour assassiner Jovenel Moïse. John Joel Joseph prête serment sur dossier ça que le pape trahit compagnie City you, qui était signé un protocole d'accord avec madame Wendell Coctello. Ça veut dire c'est deux bagailles qui sont extrêmement important et nous bien content que yo a tourné sous table et graduellement a tourné sous table. Et nous exigeons de tourner sur ce tableau à travers l'émission que nous faisons sur tous les réseaux sociaux chaque jour. Parce que nous ne pouvons jamais décourager, même pour une seconde. Parce que nous croyons que à travers la bataille que nous avons fait là, dans les médias en ligne, qui cause nous un résultat que nous avons là pour le moment. Et nous disons bravo avec chaque haïtien, chaque femme, chaque semaine, justement, qui a bataille dans les médias en ligne. Bravo pour nous.
N'a toujours n'a continué tendez diplomate russe là qui te représente pays la Russie dans conseil sécurité Nations Unies qui t'a parlé sur le pays d'Haïti. On nous continuer. Que l'ingérence extérieure des dans le processus politique d'Haïti. Eh bien, les actions des acteurs extérieurs, notamment le fait que les Américains considèrent que le pays est son arrière-cour, cela est inadmissible. Pour régler les problèmes politiques, il faut renforcer le potentiel de la police nationale haïtienne et régler le problème de l'accès aux infrastructures. Nous comprenons que les forces de l'ordre n'y arriveront pas seules. Nous avons examiné la réponse de la communauté internationale présentée par le secrétaire général à l'appel des autorités haïtiennes. Nous avons attiré l'attention sur les différents avis en Haïti à ce titre. Beaucoup de groupes étrangers ne veulent pas que l'on permette une intervention internationale et étrangère, prenant en compte l'expérience pas très réussie de l'intervention étrangère dans le pays. Il faut prendre en compte cet avis et étudier attentivement toutes les conséquences de l'envoi d'un contingent étranger en format international ou régional sur l'île. Monsieur le Président, nous ne souscrivons pas à la volonté des parents officieux de ce dossier de combiner la question du blocage du port d'Haïti et l'instauration de régimes de sanctions contre ce pays. Nous ne pouvons pas appuyer les tentatives visant à faire passer à la va-vite une résolution du Conseil sur les sanctions. Je rappelle que nous avons conditionné notre accord sur la discussion de l'instauration des sanctions par le Conseil à une évaluation approfondie de leur efficacité future, à la garantie de leur caractère ciblé, également à la prise en compte des conséquences humanitaires de telles mesures. Les sanctions du Conseil de sécurité sont un instrument sérieux à long terme qui exige une analyse approfondie et des négociations détaillées sur un texte, d'autant plus que le dernier régime de sanctions du Conseil ne remonte qu'à il y a 5 ans. Espérer qu'un document rédigé à la hâte, même entériné par le Conseil de sécurité, libérerait Haïti de tous ces maux d'un coup de baguette magique, voilà qui serait pour le moins naïf. Dans le cas d'Haïti, il faut tout faire pour que les mesures prises visent à rétablir le contrôle de l'État et ne soient pas considérées, comme c'est souvent le cas, comme une punition de tout un pays et de tout son peuple. Les sanctions ne doivent pas faire obstacle à l'apport d'une aide socio-économique au pays ou étrangler les jeunes pousses du processus politique national. Nous appelons les auteurs du document à renoncer à la tactique de la course aux négociations et à l'imposition de dates butoirs artificielles. Il faut enfin prendre en compte les propositions constructives et les préoccupations de nombreux membres du Conseil. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie de sa délégation. Je donne maintenant la parole à la représentante de la France. Très bien, c'était exactement le représentant du pays là aussi hein, qui t'a intervenu. Quand on a parlé de la délégation, le représentant du pays la France, là, il y a madame qui pourra intervenir. N'a pas demandé nous, attendez avec un peu d'attention, tant pis. Et effectivement, pour notre déclaration, et madame ça, qui parle très très courte dans la déclaration, dans l'intervention là, voilà. On avance. Et pays la France, voilà. Je vous remercie, monsieur le président. Je remercie également la représentante spéciale, madame Lalime, pour sa présentation et je salue la présence parmi nous des ministres des Affaires étrangères d'Haïti, de la République dominicaine, ainsi que les représentants permanents de Belize et de l'Organisation internationale de la francophonie. Monsieur le Président, alors que la situation ne cesse de se dégrader en Haïti sur tous les plans, le choléra a fait son retour dans l'île. Et cela est d'autant plus alarmant que l'assistance humanitaire et médicale pour lutter contre cette épidémie ne peut être librement apportée. C'est donc avec gravité que la France a pris note de l'appel lancé par le Premier ministre le 6 octobre dernier. Nous appelons la communauté internationale à rester mobilisée, mais également à redoubler d'efforts pour aider la nation haïtienne. Monsieur le Président, nous partageons le constat que dresse le secrétaire général dans sa lettre du 9 octobre. La situation sanitaire et sécuritaire appelle une réponse plus vigoureuse de la communauté internationale. L'objectif doit rester de soutenir
beaucoup plus efficacement la police nationale haïtienne qui est en première ligne face aux gangs. C'est pourquoi la France est favorable à l'imposition de sanctions à destination de tous ceux qui menacent la paix et la sécurité en Haïti. Effectivement, position pays la France. La France campe derrière sanctions que le Conseil de sécurité des Nations Unies prend contre tout le monde qui a financé le mouvement gang dans le pays d'Haïti, justement, en avancé. Nous devons accroître la pression sur les groupes criminels, en particulier les gangs, ceux qui les aident et ceux qui les financent. Voilà. En particulier, moun qui nan gang, ça veut dire gang à sapatio, moun ka pede yo, ça veut dire politicien yo, et puis moun ka finance yo, ça veut dire nèg nan ski nan secteur privé ya. Sanction, résolution 2645. Bravo, peuple haïtien. Faut que pays a délivré, en avancé, la France. Les travaux engagés au Conseil de sécurité puissent aboutir au plus vite. La reconstruction d'une justice efficace et la lutte contre l'impunité doivent également être une priorité si nous espérons un jour mettre à terme un terme à la violence. Effectivement, bravo, bravo pour madame Nan, la France. On m'a dit, pas qu'on est si gay hypocrisie, mais sauf que déclaration est important. Si vous besoin mettre un terme, mettre fin définitivement dans violence là, dans criminalité dans pays d'Haïti. Faut qu'on justice qui faute. Faut que la justice, évidemment, pas dans passe pour qui, pas dans parti pris. Faut que la justice décide pour le faire travailler. Faut que des hommes et des femmes qui sont les juges, qui au-dessus de tout soupçon, moun ki pa nan vol, moun ki pa affilié avec gang, moun ki pa protéger politicien, moun ki pa adep, ki pa besoin de job politique comme ministre. Nous besoin moun ki propre en réforme judiciaire. On réforme dans le pouvoir judiciaire là. Faut que nous craser CSPJ ça qui nous est là. Yo pas honnête, yo pas propre. Faut nous craser groupe juge ça yo qui pas yo pas représentant rien, yo pas sérieux, yo pas honnête, yo pas clean. Il est important pour nous gouverner pour nous faire ça le plus vite que possible. Parce que faciliter nèg yo gagner pour baiser dans tout pays là. C'est parce que yo connaît les CSPJ arrêté yo, ils remettent bien la justice pas fait suivi. Il a libéré yo. Ou dit mais le dossier devant la justice, il a classé sans suite même Jean Benassin Ville a fait pour nèg en bas. Imagine au Boulos, Benassin Ville retire mandat derrière Boulos et de et comme si à 40 Boulos que gouvernement haïtien l'état haïtien était frise. Benassin Ville fait l'état haïtien tourner sur toute décision ça. Pour Benassin Ville pas payer pour ça. Faut que nation, faut que la République faut payer pour lui oui. Et m'bra la gen encore l'autre semaine là qu'a venir Benassin Ville. Ou pas supporter Charles ça non garçon. Bonne gang côté nouillé. En avance la France. Président, la France continuera d'exhorter tous les acteurs politiques haïtiens à trouver un accord menant à l'organisation d'élections démocratiques lorsque les conditions sécuritaires seront réunies. Dans le contexte actuel, la classe politique doit faire preuve de responsabilité afin de renouer le dialogue et de sortir de l'impasse. Eh bien, mon Zayo, et sa cause m'a dit diaspora haïtienne impliquée, non? Impliquée, non? Il est intéressant. Et l'heure est grave. Faut que nous pressions pour que nous fassions proposition par nous. Parce que en bas, pas gagner cap tête ensemble. Son jeu politique qui a traîné nous pour mettre nous là jusqu'à 2024. Pour faire plus de temps passer. C'est comme si chaque nègre a touché pour ça ou a fait là. Chaque nègre a tiré le code là, nous pointe. C'est normal. Parce que si ça patron vous mandé yo. Ariel comme nous pointe la bras le code. Moïse Jean-Charles comme nous pointe la bras le code. Youri Latoti comme nous pointe la bras le code. Lambert campé non prête la prale code. Fritz Jean campé non prête la prale code. Chaque groupe moun gen ti propre bagay pa yo, c'est pour pouvoir. Ça veut dire que pape jam gen entente et c'est normal. C'est comme ça système nan monte même. Tout groupe moun sa au kamba, yo fait partie de système nan. Yo a travaillé exactement pour un seul groupe moun. Et c'est tout qui met tête ensemble qui pouvait tout un groupe un seul grand moun qui c'est Jovenel Moïse. Ou pas jam ou pas penser que met tête ensemble. C'est tourner avec constitution qui normal oui. C'est tourner à l'élection oui. Et au compte depuis l'élection, le peuple n'a pas voté. Et c'est ça qui fait que il n'a pas jamais, comme si, créer conditions pour l'élection, tu as fait dans le pays, non? Et c'est nous-mêmes, les Haïtiens, qui pouvons débattre ce pays, de groupe pour ça. On continue toujours avec les représentants du pays, la France. Là. La France continuera également de se mobiliser afin de faciliter l'approvisionnement des plus vulnérables dans les quartiers pauvres de Port-au-Prince et dans les provinces. Et le blocage du terminal de Vareux
est à ce titre inacceptable, car il compromet l'acheminement de l'aide humanitaire, il compromet la lutte contre l'épidémie. Monsieur le Président, la France ne peut se résoudre à la spirale actuelle et nous sommes prêts à faire davantage avec nos partenaires. Nous contribuerons activement aux discussions sur les projets en cours qui ont été présentés par les États-Unis et par le Mexique. Nous continuerons autant qu'il est nécessaire de mobiliser la communauté internationale afin de venir en aide au peuple haïtien. Je vous remercie. Merci. Je remercie la représentante de la France de sa déclaration. Je donne à présent la parole à son Excellence M. Jean-Victor Généus, ministre des Affaires étrangères et des cultes de Haïti. Un petit gars, mon nom. Bluffeur, menteur, pas sérieux, pas honnête, sans vergogne. Entendez-le. Et Jean-Victor Généus, c'est important. Entendez-le, ça l'a dit, pour nous accorder le problème de propre tête. Et pas plus que environ 15 jours, si je ne me trompe pas, 15 à 22 jours, il était sous tribune des Nations Unies. Il a fait déclaration, il a dit tout est sous contrôle dans la COVID d'Haïti. En même temps, il a tout appris dans la force robuste. Oui. En avance, on a dit que le monde pas sérieux, non, pas honnête là. Excellence, Monsieur le Président du Conseil de sécurité. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Madame la représentante du secrétaire général, qu'il me soit permis d'abord de saluer la présidence gabonaise du Conseil pour le mois d'octobre. Je salue également une fois de plus le travail de la représentante du secrétaire général, Madame Hélène Lalime, pour la présentation de son rapport. Je voudrais enfin exprimer aux membres du Conseil toute ma reconnaissance pour leur intérêt grandissant manifesté à l'endroit de la République d'Haïti au cours de leurs interventions respectives. J'ai pris acte de leurs commentaires opportuns. Je salue la présence du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine et les efforts de son pays pour nous accompagner dans ces moments difficiles. Je salue aussi la présence du représentant du Belize et de la CARICOM, ainsi que la présence de la représentante de l'OIF. Monsieur le Président, la convocation aujourd'hui de cette réunion pour discuter de la situation en Haïti revêt pour nous Haïtiens et Haïtiennes un sens hautement symbolique. En effet, il est conséquent de souligner et de se rappeler la date mémorielle du 17 octobre qui ramène la commémoration du 216e anniversaire de la mort du père de l'indépendance d'Haïti, l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Il est la figure emblématique de la Révolution haïtienne de 1804. Sous son leadership, il a matérialisé l'union sacrée scellée entre des généraux de visions politiques différentes et d'horizons sociaux divers pour briser le système esclavagiste inhumain et créer le premier État noir du monde. Il a ainsi réinventé le mot « liberté » et changé à jamais le cours de l'histoire du monde en imposant les valeurs universelle de respect de la dignité humaine que consacre la Charte de l'ONU. Très bien. Monsieur le Président, j'ai la délicate mission de porter devant le Conseil de sécurité le cri de détresse de tout un peuple qui souffre et de dire à haute et intelligible voix que les Haïtiennes et les Haïtiens ne vivent pas, ils survivent. Je parle au nom des 4 millions d'enfants qui n'ont pas pu aller à l'école à cause de la violence des gangs. Je parle aussi au nom de ces femmes et jeunes filles qui ont été violées. Je parle aussi de ces innocents qui ont été assassinés. C'est l'occasion pour moi d'exprimer à la communauté internationale et au Conseil de sécurité la profonde gratitude du Premier ministre, hein, son Excellence, Dr. Ariel Henry, et de son gouvernement pour la célérité avec laquelle le Conseil et les pays membres se sont penchés sur le dossier d'Haïti
et leur engagement à nos côtés dans la lutte contre les gangs armés et leurs commanditaires qui terrorisent la population. Il s'agit d'un pas dans la bonne direction. Je salue aussi les mesures envisagées par l'administration américaine et le Mexique contre les chefs de gangs et ceux qui les financent. Je me félicite également de toutes les mesures que le Conseil a déjà prises et celles qu'il entend adopter pour freiner ce fléau qui constitue un sujet de grande préoccupation pour la communauté internationale. C'est la réalité criante et inconcevable du peuple haïtien que je vous expose. Je l'ai déjà fait dans tous les forats internationaux. Une fois de plus, mon gouvernement fait appel à cette solidarité agissante pour relever ce grand défi. Depuis le 12 septembre, la situation a dangereusement évolué vers la détérioration. Des événements malheureux et regrettables. Alors, c'était exactement Tigamoun et Kanaïsa Yorele, Jean-Victor Généus, effectivement, qui t'a intervenu sur soi-disant dossier pays d'Haïti. Et normalement, peuple haïtien, bataille sa gen là, li pa piti, mais si vous trouvez devant fait accompli. Quel que soit Jean Saye, nèg yo prenant zip et nèg yo apprendre des décisions qu'il prend, c'est eux même, c'est des décisions que a forcé pour prendre, mais c'est contre eux même encore. Parce que là parler de sanctions des gangs dans pays d'Haïti, ou parler de sanctions nèg qui au pouvoir. L'on parle de sanctions, gang cap fin avec société avec des kidnappeurs, et on va parler de gang qui t'a tué Jovenel Moïse. Ça veut dire que Jovenel Moïse, petit garçon, ou ses eaux poissons pour tout bon. Jovenel Moïse te dit li son zo poisson koke nan gòj nou. Et définitivement le koke nan gòj nou, oui. Mwen wè la Russie, mwen wè la Chine, mwen wè la France et me comprenn. Résolution 2645. Transit là n'a pas tout le monde dans le pays. Faut qu'Abraham t'a dit c'est assez. Faut qu'on leur comme si vous ne t'a cassé pied nous. Faut que t'a gagné obstacle qui fait avec toute qualité Zach que n'a planifié. Jodi a bon solution définitivement n'a que n'a bien peuple haïtien. À la content, m'a content, le moi André Michel avec petite effectivement sous terrain pays d'Haïti, peuple haïtien. Ou pas qu'à même là la République Dominicaine. Mes amis, m'a content. Régional Boulos te mande peuple haïtien nous mettre tête nous ensemble pour nous cette pays là. Et mais blanc boubou, est-ce que vous comprenez? Résolution 2645 là pour le frise à 40 tout. Il y a saisi bien ou, il y a pas pauvri ou comme petit voleur, comme petit assassin qui bat gon dollar, comme petit pauvre. Il y a tout nous dans pays d'Haïti. Résolution papa de Saline n'a passé sous tout état tout détail. Nous on travaille avec nous connait l'homme dossier m'pa quitter m'pa approfondir enquête moi m'a chercher information m'pa bail vague parce que nous c'est gang nous méchants nous que 36 ans depuis n'a tout bizi peuple là nous pas jamais de bail vague je dis m'pa ba nos vagues. Résolution 2645 comme garantit nous cette solution pour le pays d'Haïti. Et puis on va appliquer à la lettre. Résolution 2645 là, abat nos solutions avec la famille VOP définitive dans le pays d'Haïti. Groupe terroriste, ça, groupe criminel, ça, groupe petit voleur dans le pays. Longtemps, longtemps,
petit voleur, un groupe petit gang, un groupe petit assassin, un groupe petit avec qui a quoi avec richesse yo, il a tué moun pour faire l'argent, il a tué président pour gérer intérêt yo. Non, sans que ça finisse dans pays. Et ça cause, moi, je dis, peuple haïtien, il faut que nous prenions responsabilité. Non. Pendant que nous avons bataillé, nous avons dit, il faut que nous mettions une résolution 2645 en application, justement pour sanctionner toutes les gens qui ont article de l'an. Mais effectivement, nous-mêmes, commencer à préparer les sanctions. Sanctions par nous, acheter les mêmes, filer les manchettes. Le monde dit ça, c'est violence. Non, il n'y a pas de rapport avec violence. C'est exactement une formule qu'on a pu utiliser pour une solution avec un problème qui a fini avec une société depuis 36 années. C'est exactement la solution qu'on a cherché. Méchant avec un peuple, nous méchants avec toute une nation. Je ne sais pas qu'à fonctionner nos pays. Nous la gang tout partout. Nous mettons 400 marozo pour contrôler quoi de bouquet. Pour nous capoter la République dominicaine, pas capable d'entrer, sortir normalement. Pour ti malheureux, malheureux, qui ne classe pas, ne fait pas de business sous frontière ou pas capable de faire. Ça veut dire que c'est nous-mêmes qui pouvons contrôler tout le bagage dans le pays. Mais faut qu'Abraham t'a dit ça, c'est oui. Bonne gang. Et ça que femme toujours dit nation li important pour que nous toujours faire effort pour que nous tende président pays nous hein, qui c'est président Jovenel Moïse mais que bataille au touyer le vrai mais monsieur parole yo rete ça gros cause touyer président assassiner président décapiter président et mais gon président koke nan gauche nous et effectivement nous gon président qui koke nan gauche yo pour tout bon peuple haïtien ensemble avec nous président Jovenel Moïse à l'appareil peuple haïtien entendez ça avec en pile, attention. M'a demandé nous ça tant pour soupli. C'est le bail qui est extrêmement important que vous prenez le temps de là, dans son rayon, sur la plateforme Paul, qui est la plateforme YouTube, InfoBetoa. M'a dit nous merci en pile pour patience nous, pour la plateforme ça, pour travailler ça. En avance, président Jovenel Moïse à l'appareil. Nous pas dans d'un circulé à personne voilà. Qui n'a zak insécurité et violence en dans le pays. Dossier insécurité ça, tout le monde nous dit. C'est un coup tout le monde dit dossier insécurité, c'est qu'on y a. Même les rappeler tout le monde. Pays a entré dans un cycle infernal. Depuis, je dirais, 18 dernières années, un cycle infernal d'insécurité. Et cycle ça, mettez-nous nos situations côté chaque temps nous obligeons à éteindre du feu. Nous songez, 2005, conseil de noms qui te compte faire la pluie et le beau temps. Par exemple, Amaral, Dédouil Mé, et 26 couteaux, Grenzonin, côté yo, jodia, yo pas là. Et la police à côté, la police est toujours là. Au contraire, la police a renforcé. En 2005, la police a peut-être 3000 moun, jodia, il y a 14000, ou presque 15000 moun. La police en 2005, pas de bon gren blende, jodia, il y a 15000, ou disons 20000, entre ça 9 et ça qui usé. La police a pas de des unités spécialisées qui ont fait des opérations au moment opportun dans des zones qui difficile. Je dis à la police là, lui commencer doter tête lui des unités qui capable permettre lui rentrer des côtés difficiles et pour mettre l'ordre dans des ordres. L'homme monté président, t'es conseillé de non tout en 2017. Tant qu'on te connaît dans zone Matissan ou t'es gain tête calé Anel dans zone Tirivière de la Tibonite Audma dans zone Cité Soleil Tinga. Dans la zone la Tibonite, Canal Divan. Côté yo. Yo pas là. 2017, oui. Côté la police là, toujours là. La police là, renforcée. Et c'est pour me dire aujourd'hui, je profite l'occasion, ça pour me dire chaque grand haïtien qui a tendu là. Pas de personne qui te cap vini ou allant devant le peuple ou pour pouvoir nommer. Là. Et puis, aujourd'hui, pour tenir, tete langue avec bandit. Moi-même, je fais campagne pendant 22 mois dans le pays.
c'était candidat qui était en campagne, qui pas de violence du tout là-dedans. C'était pas l'un de qu'on balait, son discours qu'on a gagné, et c'était pour ça que la population a été votée nous. Jodi a dossier insécurité, j'en nous dis, c'est pas un dossier. Jodi a, son dossier qui datait, j'en lis à deux, environ 20 ans, pour ne plus précis, 18 ans. Et c'est pour ça, je profite occasion ça pour me dire tout acteur. Acteur qui était dans le phénomène ça depuis l'heure de commencer. Je voulais parler de international là. Je voulais parler de gouvernement. Ça veut dire, moi-même comme chef de l'État, premier ministre qui l'a, avec tout mon gouvernement. Je voulais parler de secteur privé. Nous tous ensemble qui te mettez main. Je voulais parler de politiciens. Qui te mettez main, qui te fait nous te joindre au mot sur la paix, mais qui pas durer. Je dis, il faut nous commencer à mettre main pour nous commencer à réfléchir à la paix. On l'autre gens. Parce que, me songez, après l'opération Bagdad, nous devenions artistes pour la paix. Mais, est-ce qu'artistes pour la paix, ben nous, ça nous te souhaite? Non. Ça veut dire, après, nous devenions CNDDR, Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion. Moi-même, ça y a 27 mois, moi, je mettais commission ça quand campé tout. Est-ce que je dis, m'dis que commission, résultat que m'tap tant dans ces limjouen? Non. C'est pour m'dis que problème insécurité, les plus profonds, problème violence qui gagne dans Port-au-Prince là, les plus profonds que j'en nous-mêmes n'a réfléchi là. C'est pour ça, je dis, mandé communauté internationale là, qui t'a supporté problème ça, de 2004 pour arriver jusqu'en 2017. M'vle clair pour tout le monde, bah, dit que m'dis, c'est pour ministre Tounan quoi. T'as les m'attendre, c'est ça me dit. Non, c'est pas lui me dit. Moi dit communauté internationale là. Engagement qui pour prend ensemble avec la police nationale qui aujourd'hui a nous une police nationale qui gagne près de 15 000 moun la donne. Engagement qui pour prend avec autorité établie pour nous capables gens nous te commencer faire dans mois mars et gain résultat nous commencer joindre par exemple non importation munitions dans pays gens nous te demandé que Zami nous, pays les États-Unis, aidez-nous pour nous, chaque temps nous qui est bon municipe, qui avec balle, avec zam, non, ça que l'y importe, pour permettre nous capables de remonter filière moun sa jusqu'à côté moun nan, moun qui te mette le conteneur. Ça a commencé par résultat. Faut me dire que zafè munition, li commencé à vin plus difficile pour bandi aujourd'hui. Et faut continuer sous lancer ça. Moun qui comprennent qu'il y a un commerce munitions dans le pays, c'est pour que la police, lui-même, tout service, nous mettons ensemble, nous font seul, qui pour permettre que nous arrivions sur eux, pour gens, nous connaissons, il y a des gens qui sont en prison. Nous entendons des rumeurs, parce que même si c'est des rumeurs que vous voyez, parce que jusqu'à présent, comme président, nous pouvons recevoir un document formel. Ni une liste qui dit, même nous avons bonnes armes dans le pays, même moun kap vann munisyon nan peyi a. Mande ministre justice si li resevwal, li di non juste li pa resevwal. Li m'tande sa te pale nan radio. C'est pour me dire tout moun jodi a, nous même nous pa nan danser collé ak personne qui nan zak insécurité ak violence an nan peyi a. M profite occasion encore, j'aime te commencer a pour me voye sympathie moi bay tout policier yo, bay tout parent victime yo. Pour me dire que on l'autre fois encore police la frappé mais nous pa ka courir. Nous pas qu'à faire bac. Police là aujourd'hui n'a goumé pour nous renforcer pour permettre pour le cas camper goumé avec moun qui comprennent qui va mettre dans des routes. La police c'est quoi légal que nous y en dans pays là. C'est lui même nous là pour nous renforcer et c'est pour nous continuer faire genre instruction passée à premier ministre qui là directeur général police quel que soit ça la police là li besoin. Moi connais qu'il y a un pile problème. Grand pile déficit, grand pile ça a besoin pour le travail, pour faire face à un moment ça, il y a un problème, il n'y a pas sur place. Et m'a demandé déjà policiers, je connais des commandes qui te fait, pour qui ça commande ça, il y a pour arriver. Si on côté ça, avion pour prendre, l'État, c'est pour le prendre charge, qui pour payer, pour être capable de transporter, pour arriver, pour venir, en support pour la police là, parce que les bandits déclarent la police la guerre, son seul choix que la police gagne, c'est faire la guerre avec eux. Et nous-mêmes, au plus haut niveau de l'État, moi dis lui, nous sommes comme la justice, cette femme aux yeux bandés. Nous là, pour nous supporter la police là, à 100%. Pour nous capables de dire, jodia, bandi yo,
yo pa ka continuer faire chemin encore. Route barré tout côté en bas la ville là. Je connais que la police actuellement a fait opération Kounia et me félicite yo pour ça et connais que nous derrière yo, nous pas jamais lagué yo, nous pas ka camper pour nous garder bandi ka prend pays là. Moun qui déplacé yo. Nous gagne presque plus de 3000 moun qui déplacé dans zone Matissan qui nan Kafou. Nous gagne plus de 2 milliers de moun qui déplacé qui dans zone Badelma. M'a demandé protection civile, FAES, premier ministre qui là jeudi dimanche là même pour une réunion d'urgence qui fait pour que moun sa yo nous pas quitter yo côté yo et attend coup des petits mis sans garde. PM faut nous réunir avec moun yo ministre affaires sociales là rapidement pour nous pour ta font réunion pour nous équiper en bon manière pour nous venir en support à moun sa yo. Mais moun sa yo m'a dit yo l'état pas camper garder la police a travaillé pour qu'a retourner la caillou parce que pas gain personne qui ka camper pour mettez au dehors je nous sot dit là la vie bandi c'est coûte que ça dure. Jodi a fait 4 ans 4 mois sous pouvoir nous sot site avec nous 5 têtes de série et on met sur une deuxième division tout une troisième division mais ça yo c'est tête de série yo yo pas là. Mais ou même jodi a sous prend ou prend place tête de série ou parle pas là tout même j'avais sac pas là de 2017 à jodi a ou parle pas là c'est pas bien que la main dit parce que nous c'est haïtien c'est pour ça me mettre CNDD à sous pied pour nous te connaître pour nous te suspendre pour que conn nous avec la police qui se force légale pays a rien depuis c'est sous chemin ça nous nous prend route pour nous pas là et nous pas là bon nous ça comme garantie peuple là continuez faire confiance dans police nationale là population avec police ça c'est yon pour nous opération qui fait yo ces derniers temps yo réussi c'est dans collaboration population avec la police qui fait yo réussi nous camper ferme derrière force de sécurité dans pays là la médaille dit moi connais que la police toujours parfois à travers chef CSPN nan mandé nous service nous pour nous faire couverture pour yo nous pas dans opération direct mais nous même tout c'est pour être nous parce que depuis nous t'ai fait choix même si jodi a c'est peut-être 5 ou 600 militaires que nous dans pays a mais pas rien faire bac tout c'est pour être nous les policiers devant yo même les connaît nous derrière les vire derrière c'est pour yo connaît pour yo nous là c'est pour nous bataille ensemble avec yo pour nous mettre la paix pour que la sérénité tourne en dans famille pour monde tourne vivre tranquillement dans quartier. C'est exactement déclaration et chef l'état que Reginald Boulos Dimitri Vobles oligarque corrompu assassiné peuple haïtien. Président Jovenel Moïse qui t'a parlé sous ça qui gagne pour avec phénomène insécurité, c'était dans date ça qui était 20 juin 2021. Son date que nous pas jamais oublier et président c'était le dernier voyage qu'il t'ai fait dans pays la Turquie et bien effectivement tout de suite après il t'a tourné président peuple haïtien président Jovenel Moïse assassin au président qui t'a demandé de tirer ça pour peuple là peuple là t'étant des mots ça et nous vinn tout yel vraiment nous prend pouvoir peuple a gardé le goût que nous mettons alors nous fouillons en plus tout toujours et disparaître jeunesse là ça veut dire que population va comprendre et faut que t'a gon bon dieu dans celle là pour dire un mot parce que haïtien c'est petit bon dieu tout il est pas possible
Et faut que tu aies un bagage qui pour faire. Et honnêtement, nous appuyons à 100% résolution 2645 là. L'extrêmement important pour que résolution ça va rentrer en application. Et sanction par nous-mêmes comme haïtiens. Faut que nous préparions pour que ça qui touille nous en pile pendant 36 ans dans le pays. Sanction par nous supposé pas douce même. Et yo supposé c'est des réponses proportionnelles avec toute qualité de crime qui nous fait sous petite nous famille nous dans le pays. Parce que nous avons prouvé que yo pas haïtien, yo pas remen nous. Il va gagner attachement avec pays d'Haïti, c'est un seul rapprochement avec nous pour faire l'argent. Il va quoi avec richesse. Quel que soit citoyen parmi nous comme haïtien qui campait pour dire non monsieur, comme l'a fait trop mal, faut qu'on contrôle, il va assassiner. Faut qu'Abraham t'a dit c'est assez. Craser la police pays a nous montons réseau gang on réseau terroriste dans la police dans pays d'Haïti avec qui est avec des monde qui dans haut état major la police là nan souci que capable vinn déjà la police gagne un citoyen qui relait Calan Boucher décidé pour que li touyer 5 policiers dans village avec groupe gang iso qui travaille pour lui nan souci. Il a fait tout ça que vous connaissez, vous fragilisez la situation dans Léon Charles pour Jovenel Moïse qui a tombé. Et puis là, Jovenel Moïse est tombé. Effectivement, il était pensé qu'il a venu déjà la police. Les policiers ont mouru pour ça seulement. Sa cause dans l'état major la police là gain 3 gros gangs, 3 gros kidnappeurs, 3 gros assassins, 3 gros chefs gang fantôme 609. C'est France LB, Calan Boucher, Marius Gauthier. Pourquoi ça bite un peu pas ici? Assassin pas gagne à l'aise, voleur pas gagne à l'aise, gang pas gagne à l'aise. Petit lex pas gagne à l'aise tout parce que c'est des kidnappeurs, petit kidnappeurs que vous avez. Craser la police pays parce que nous tous besoin de la police. Tout le monde dans l'état major a besoin de la police pour qu'il y ait un voleur, pour qu'il y ait un passé drogue, pour qu'il y ait un alimenté kidnapping, bande gang. Je dis effectivement, je peuple a calé, peuple a ouais clair, tout le monde ouais qui côté au garde, tout le monde ouais exactement, nous pas de pièce bagaille pays que nous t'as réglé. C'est un groupe nèg qui intérêt personnel pas trop été menacé, ils organisent ils mettent tête ensemble, ils pèsent bouton tout hier, ils touillent président aussi simple que ça habille, tout bagaille tout dans nèg yo. Son kidnappé pasteur frère Michel, décidé de produire un rapport, il y a des preuves tangibles que monsieur fait kidnapping pour tout le monde, il toujours été comme DG, comme ministre intérieur, non pays, ouvre les blancs respecto, nous pas honnête même.
gouvernement volant, un gouvernement pas sérieux, un gouvernement gang, comme si c'est lui-même qui représente le peuple haïtien, pour ne pas foutre démanteler, pour ne pas foutre couper tête boule caillou. Faut que nous honnêtes avec monsieur, faut que nous fassions monsieur ouais que nous menacer nous trois bien tuer nous trois bien faire, il fait des bails qui trois drôles sur nous, nous pas accepter ça toujours en 2022, c'est pas possible, faut que nous prenions décision avec monsieur Sayo. Peuple haïtien, m'a dit nous merci en pile, c'est toujours un plaisir pour moi pour que moi ça m'avait non sur plateforme pas non qui c'est plateforme YouTube info beto a surtout dans l'émission ça qui passait à partir de 12h15 de l'après-midi, 12h15 pas oublier ça dans le pays d'Haïti, 12h15 dans l'après-midi émission ça toujours passé sur plateforme parlant qui c'est plateforme YouTube info beto, m'a dit nous merci en pile et kembe la palagé rendez-vous en cassé exactement à partir de 6h PM tout à l'heure comme ça 6h PM 6h boule prend responsabilité pour venir monter à boba tout ça qui c'est bateau info beto famille amis plateforme non. M'a dit nous Kembela et c'est toujours toujours un plaisir pour moi pour commencer ma vie. Moi maintenant en pile, rendez-vous cassé pour 6h PM Infobeto live Kembela.